Lorsque survient une marée noire, près de la moitié du pétrole répandu s'évapore dans l'atmosphère. Le reste, les éléments lourds, s'oxyde à la lumière. Poussé par les vents, brassé par les vagues, le pétrole se disperse en minuscules gouttelettes. Elles se mélangent à l'eau sur plusieurs mètres de profondeur. Le pétrole empoisonne le plancton, tue les œufs et les larves des animaux marins. Certains en réchappent, mais ils contaminent les animaux qui les mangent. Enfin, le pétrole se dépose. Une partie restera longtemps piégée dans les sables du fond. C'est seulement des années plus tard que, par ses propres moyens, la vie aura résorbé la marée noire.